Ce montage est une création pour les membres du Forum des oiseaux du Québec. Bon visionnement! Janvier 2018. Il est 7h30 le matin. Le soleil se lève. Il fait moins 27 Celsius. Et les gros becs errants sont toujours présents. Il y a une douzaine de jets bleus aussi. Il y a des petites mésanges à tête noire en avant sur la galerie. Avec ce froid, il se cache les petites pattes en dessous des plumes. On est le 16 janvier 2018. Il est 7h30. Tous les gros becs sont arrivés. Il fait pas soleil, il fait presque moins 20 encore ce matin. Je vais changer les mangeoires, je vais en remplir, en enlever, en mettre des nouvelles. J'ai été acheter des graines hier. Ça mange beaucoup. Il y avait 4 chardonnerets hier après-midi. Puis tout à l'heure, ils sont venus, mais j'ai pas eu le temps de les capter. Il doit rester encore une quarantaine, une cinquantaine de gros becs. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Le 17 janvier 2018, cette mangeoire-là est fabriquée avec un contenant en carton, un berlingot de 2 litres. Celle-ci aussi avec 2 berlingots de 2 litres. Celle-ci aussi, toute recouverte avec des petites pierres, des mini-pierres, collées avec de la colle PL. C'est un berlingot que j'ai raccourci sur la hauteur. Celui-là aussi, c'est 2 berlingots. Collés ensemble. Celle-là aussi, c'est un berlingot, tout recouvert avec des petits morceaux de styromousse peint à l'acrylique. Et puis, celle-là aussi, c'est un berlingot de 2 litres. Et elle est toute en styromousse. Le toit, la base, tout le recouvrement de la boîte en carton, c'est du styromousse.
des barquettes en polystyrène. Alors, je fabrique beaucoup de mangeoires avec les berlingots. Le carton, c'est contenait du jus ou du lait. Alors, c'est comme ciré. C'est lavable, facile d'entretenir, facile à couper. Et voilà. Celle-là, tout en pierre, très résistante. Le toit, celui-là, il est en tuile, un morceau de tuile de plancher qui restait, recouvert de DC fixe. La base, c'est une assiette en styromousse. Alors, sur ma chaîne, Martine Lolo, vous pouvez voir plusieurs tutoriels pour vous montrer comment fabriquer les mangeoires d'oiseaux avec les enfants. C'est un matériau très facile à découper. Le styromousse et le carton ciré. Alors, bon bricolage. On est le 18 janvier 2018. Les gros becs qui arrivent. Il est 7h30 le matin. Là, il doit être une quarantaine encore ce matin. C'est de toute beauté. J'ai 10 mangeoires d'installer. Il y en a beaucoup ici, puis il y en a encore beaucoup dans l'arbre. C'est difficile de les compter. Il y a toutes les mangeoires. On est le 19 janvier 2018. Il est 7h30. Les gros becs arrivent. Ils arrivent un après l'autre. Ils se posent dans un arbre. Et puis après ça, ils descendent au poste d'alimentation. Tranquillement. Il neige un petit peu ce matin. Bien installé au duplex. On est le 20 janvier 2018. Enfin, il fait soleil. Il fait 0 Celsius et les oiseaux sont heureux aux mangeoires. Toutes les mangeoires sont bien remplies, bien garnies. Et les gros becs errants sont toujours très présents.